On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse. C'est 6h du matin. Du coup, je me suis levé à 4h. Maintenant, on va vite fait aller continuer notre petite aventure sur Dragon Ball. Donc, si je me trompe pas, je sais plus, on s'est arrêté à quelle quête. Faudrait que je regarde ça. J'ai pas envie de répéter une quête déjà. Je crois qu'on n'avait pas terminé celle des Saiyans. Déjà qu'on n'avait pas combattu la gorille. Ouais, on va combattre la gorille de Vegeta. Et voilà, c'est tout, je pense. Ça charge, ça charge, ça charge. Donc, on est hors ligne. J'ai rien fait du tout, pas rien de spécial. J'ai juste essayé de lui mettre une tenue, c'est parce que. Donc j'essaie de pas dépasser les 15 minutes parce que le temps de rendu prend je sais pas combien de temps. Alors on va essayer de lui mettre une petite tenue comme ça. Là il est pas comme ça, il est pas stylé. On va lui mettre la tenue de. Non, comme ça il est stylé. Bon, il a aucune âme Z à faire. Ok, ça baisse un petit peu ma santé, je ne te pardonnerai pas. Des lunettes Hug Life. C'est Goku Saiyajin Freezer. Épée de Yamcha. Ok, maintenant on peut y aller. Ah, je vais voir juste les attributs si j'ai des points. Ouais, dans des attributs, on a des points. On va mettre 3 ici, 3 ici, 3 ici. Non, on va améliorer les hyper Kikoa. Les hyper Kikoa sont déjà à 4. Bon, bah, on va améliorer les super frappes. Modifie des techniques, bon. Les canons explosifs et canons destructeurs. Attaque explosive et canons destructeurs. Et je fais une pause. Donc, les gars, donc vous savez, il est 6h du mat, je vais manger. Du coup, j'ai choisi entre Final Flash et Kamehameha Parfait. Du coup, je prends Kamehameha Parfait, je garde la attaque explosive et je mets Kaioken x3. Juste pour augmenter un petit peu ma puissance. Oula, sel. Attends, sel. Oh, je croyais. Oui. Tu n'as pas encore atteint le niveau de cette trophée pour moi. Tu ne peux même pas servir de jouer. Ah ouais, j'ai ton attaque. Qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que tu vas faire, bêcheuse? Je fais une pause et je reviens, les gars. Re les gars, donc on se retrouve maintenant. Donc je l'ai déjà en train de lire pour trouver. Qui m'a le plus grand du monde, corne et tout. Fuir tes princes hors limite. C'est ça ce qu'il fallait faire contre la gorille. On va faire encore une mission et une quête parallèle facile et rapide. Et on va se quitter. Parti. Fierté du prince Saiyan, du prince hors limite. Eh merde, c'est pas là. Vers la crypte du temps. C'est pas là, c'est ici. Je crois en fait, je suis pas sûr. Attends, on va voir. Donc je fais une pause, les gars, on m'appelle toujours alors. Donc c'est pas c'était pas très rapide. Wow. Non, les super guerriers, c'est plus fort que la gorille. Puissance fois 10, transforme sur Vegeta. Vago Vegeta Gorigiao. PV du joueur épuisé, PV de l'allié épuisé. Gorille manipulé. Oh, comment va ça va être dur. Oh, tu vas te calmer direct, hein. C'est le bâtard, il est sur moi. Ah non, il est sur son Goku, fais gaffe. Ah ouais, mais Gaspard, Vegeta. Goku, fais gaffe. Putain, mais purée, il est chiant aussi. Oh. Ah, pour lui arriver à la moitié de sa vie. Pourquoi tu vas se battre contre lui qui est déjà là je dégage. Toi, tu vas te calmer direct là, papy. Oh,
purée, ça lui a rien fait. Il est sur moi là. Ouh, c'est trop dangereux. Ça devient dangereux. C'est bon, la fille. Kizar. C'est vrai, faire mal, hein, de se transformer de gorille à l'humain, de devenir tellement petit avec tes os. C'est de vrai faire mal, vraiment mal, hein. Désolé, je parle un petit peu mal parce que j'ai un petit peu le débouché là, tout à coup. 1062, ok. On est niveau 9, les gens. On est niveau 9, les gars. On est niveau 9. Alors, celle-là, fierté du prince hors limite. Bon, on va faire celle-là, on va faire peut-être une quête parallèle ou même pas. Ça va être suffisant parce que. 15 minutes, moi j'y dépasse pas parce que les temps de rendu ça prend des milliers d'heures et au pire je la sors pas maintenant, je la sors une fois que je serai après venu de l'école. Attends, je joue au bal avec moi. Ah, tu joues le bal avec moi. Allez, allez, allez. Wow, bougez plus, à un moment, il y a un relevé, je pense. On va se transformer direct. Je vais au taquet. Allez, ah, il est pas bon à cause de ça. Regardez Laura. Elle reste. Lâche beaucoup, bâtard. Bon, bah, allez, on n'en parle plus, les gars. Je vous laisse une cinématique et après au ski, je vous dis bye. Ah, niveau 10, bien joué. Ah, on l'a vaincu. Enfin, tout est rendu à la normale. Le parchemin de l'éternité a été corrigé. Mais qu'est-ce que ça a bien pu causer? Et qu'est-ce qui a bien pu causer ça? Ça devrait être impossible de changer l'histoire de cette manière.
Quelqu'un doit voyager dans le temps et changer l'histoire comme toi, Trek. MDDR. Oh, oh zut. Pardon. Tu dois être la personne que Shinra convainc que je suis en cache du temps. Si tu sais, elle n'a pas l'air, mais elle est un peu pas très importante dans le leader. En fait, cet oiseau s'appelle Toki Toki, c'est mon meilleur ami. La meilleure amie qui pourrait te marcher dessus. Ce combat est excellent, vous faites une bonne équipe. Merci beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas terminé tant qu'on ne saura pas quel est l'origine du problème. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Apparemment, un étrange dur voyage dans le temps est perturbé au cours de l'histoire. J'ignore ce qu'il manigance, mais j'ai un mauvais pressentiment. Un duo qui voyage dans le temps, je me demande qui c'est. Commençons par le trouver, c'est parti. Bon ben les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis ciao.